Je m'appelle Élie, je suis chef propriétaire du Roi de Cœur Traiteur. Le Roi de Cœur Traiteur est en opération depuis maintenant plus de 3 ans. Je pratique le métier de cuisinier depuis maintenant plus de 17 ans. Le Roi de Cœur a ouvert ses portes en janvier 2020, donc quelques semaines avant la pandémie. On avait planifié faire de l'événementiel, donc il a fallu qu'on se réinvente pendant la première année. Et puis après ça, en 2021, dans la foulée d'un partenariat d'affaires, on a déménagé à Scott. Et puis maintenant, ça fait une année complète qu'on est en mesure de faire ce qu'on veut vraiment faire, c'est-à-dire des banquets corporatifs. Un élément intéressant chez nous, c'est qu'on se définit comme un fournisseur de services, ce qui nous permet d'avoir plusieurs partenariats d'affaires. On est partenaire avec La Cache, Les Chalets en Boiron, Viva Cellule d'affaires, Viva Le Sucrier. On est présent aussi au Centre Castel. On se spécialise dans les banquets, c'est-à-dire des repas servis à l'assiette, mais on fait toute une panoplie de prestations également. On fait de l'événementiel, que ce soit des buffets, des méchouis, des boîtes à lunch, des cocktails dînatoires. On est très privilégié d'avoir une équipe stable. Au Roi de Cœur, on est 12 employés réguliers, une vingtaine les soirs d'événements, et notre équipe régulière cumule plus de 175 ans d'expérience. Alors, on sait exactement où on s'en va. Le mentorat d'affaires est quelque chose de très positif pour moi. J'ai une très belle relation mentorale avec mon mentor Rémi, et ça depuis le début. À chaque fois qu'on se rencontre, on a des pistes de réflexion, il m'apporte des visions auxquelles je n'avais pas pensé, et c'est très positif pour le développement de mon entreprise et pour moi en tant qu'entrepreneur aussi. En 2022, le Roi de Cœur, on a servi 87 mariages, 75 parties de Noël, plus de 200 banquets, des repas dans des écoles et des garderies pour un total de plus de 32 000 repas. De par la structure de notre entreprise, on a une grande capacité de production en cuisine, alors on est capable de produire encore plus. Évidemment, on recherche à avoir de nouveaux partenaires et dans un avenir futur, on recherche une croissance. Depuis notre ouverture, on travaille très fort et on a le vent dans les voiles. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vous invite à nous découvrir, ça va nous faire un grand plaisir de cuisiner pour vous.